Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment mettre en œuvre notre communication. Howard Gossage, qui était un rédacteur publicitaire des années 60, un de ces fameux Mad Men, a dit « Les gens s'intéressent à beaucoup de choses et parfois c'est une pub ». Et c'est essentiel de se souvenir de ça, parce que pouvoir avoir une communication qui a du succès, il est essentiel d'avoir un processus qui fonctionne et qui soit mis en œuvre de manière étape par étape, avec efficacité. C'est pour ça aujourd'hui nous allons parler du processus de communication. Au départ, pour pouvoir lancer un processus, il est essentiel d'avoir ce que l'on appelle un briefing. Le briefing va contenir tous les éléments que vous allez souhaiter mettre en œuvre dans votre communication. Savoir quel est votre produit, quel est l'historique de votre entreprise, quels sont vos clients, quels sont vos concurrents, différentes statistiques. Ce briefing va pouvoir aussi fixer les différents objectifs de communication. Faire aimer, faire rêver, faire savoir, développer des ventes. Donc, à l'aide de ce briefing, vous allez tisser les fondamentaux de votre communication. Ensuite, sur la base du briefing, il est souvent essentiel d'aller rechercher des informations complémentaires. Parfois, ce seront des statistiques sur le marché ou sur la concurrence. Parfois, ce seront des informations complémentaires liées à différents médias. Ces informations complémentaires vous permettront d'enrichir le briefing et ensuite d'atteindre la troisième phase qui s'appelle la base stratégique. Dans la base stratégique, vous allez définir de quelle manière vous allez engager votre communication, quels sont les différents médias que vous allez engager, quels sont les objectifs que vous allez et les rôles que vous allez donner à ces différents médias. C'est ce qu'on appelle aussi la planification intermédia. C'est le moment où vous choisissez ces différents moyens de communication. La quatrième phase, c'est ce qu'on appelle la planification. La planification vous permet de remettre en œuvre ces médias. Vous avez choisi la presse, c'est de se dire, vous allez engager, par exemple, dans le cadre d'une communication B2B, business to business, PME magazine, bilan, éventuellement peut-être aussi certains magazines spécialisés. Vous êtes dans une communication B2C, dans une communication qui s'adresse au plus grand nombre, vous allez peut-être engager dans le cadre de la presse de nouveau le matin dimanche, ou un journal local comme la Tribune de Genève, le 24 heures, ou le Nouvelliste. Vous pouvez aussi engager de l'affichage, ça fera partie aussi de votre planification. Enfin, les différents médias que vous allez mettre en œuvre en fonction des différents objectifs que vous avez fixés entre le briefing et la base stratégique. Vous passez à ce que l'on appelle la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est l'achat média, c'est tout ce qui touche aussi à l'aspect créatif de votre communication, c'est les négociations, c'est l'adéquation avec les thématiques qui vous sont proposées. Et puis enfin, vous arrivez sur la phase de bilan, de contrôle, qui vous permettent justement de mesurer les résultats de votre publicité, de voir si la communication engagée est efficace, s'il s'agit de redoser la planification média, est-ce qu'il faut mettre un peu plus de presse ou un peu moins d'affichage, un peu plus de télévision. Bref, c'est un processus itératif qui vous permettra justement, au fur et à mesure, d'enrichir votre communication, de la développer, de faire en sorte qu'elle soit de plus en plus efficace et qu'elle réponde à vos objectifs, c'est-à-dire de faire passer à l'action votre cible, que ce soit en termes d'achat, en termes de notoriété, en termes d'adhésion à un projet quelconque.